Salut à tous, et voilà le grand saut donc pour le Ligou Elite 1. Pour ceux qui ont regardé donc notre précédente vidéo sur l'unboxing et la revue très rapide de ce Ligou Elite 1, vidéo au cours de laquelle d'ailleurs nous avons été très sincèrement impressionnés par le niveau de finition de ce smartphone par Ligou. Donc petit message à Guillaume qui nous a laissé un message et qui est normalement donc le futur acheteur de ce smartphone de test. Donc on va commencer par, comme ça vous verrez comment cela se passe, retirer tout de suite notre carte SIM du tiroir, comme ça on ne sera pas embêté. Voilà, et les cartes SIM se mettent donc de la façon suivante. Une au-dessus de cette façon et une en dessous. Donc, à la question qui se pose, à savoir est-ce que la mémoire est extensible ? Oui, mais vous perdez donc la double SIM. Donc, c'est soit une SIM, soit une carte micro SD, ou alors deux cartes micro SIM. Voilà donc pour le fonctionnement de ce tiroir. Nous allons mettre notre carte SIM de côté. Un tiroir d'une très belle finition qui est fait d'une seule pièce. Contrairement à un tiroir d'ailleurs que l'on vous avait montré précédemment sur une autre vidéo qui était le tiroir du Meizu, où en fait le petit cache du tiroir bougeait et n'était pas du tout en fait dans la pièce usinée. Or là, Ligou a usiné donc son tiroir dans une seule pièce de métal. Donc très sincèrement, chapeau Ligou pour ce point. Et un tiroir qui se met correctement, qui est vraiment nickel au niveau de la finition et de son emboîtement, dans son emplacement dans le châssis. Voilà, donc un très très bon point. Alors, on va commencer donc tout de suite. Vous l'aviez vu précédemment. Donc, on va taper notre mot de passe, toc toc. Voilà. Donc, on avait configuré notre lecteur d'empreintes. Sur ce lecteur d'empreintes, nous avons ajouté une deuxième empreinte, un deuxième doigt. Voilà, qui est mon pouce. Voilà, toujours aussi rapide. Pas grand chose à dire de ce côté. C'est vraiment du sans faute pour le lecteur d'empreintes sur ce Ligou Elite 1. Donc, premier point que l'on va vérifier, ça va être la qualité de l'écran, mais avant, en fait, je vais repasser en mode manuel pour la luminosité. J'étais déjà en mode manuel, donc je suis repassé en mode automatique. De cette façon, la luminosité, vous le voyez, ça sera bien meilleur pour vous. Donc, premier point que l'on va aborder de suite sur ce Ligou Elite 1, donc dans nos outils de test, ça va être le test de l'écran. Même occasion, je fais une petite parenthèse. Vous avez vu, notre façon de filmer a été modifiée. Avant, on filmait donc à ras du téléphone, donc qui était sur un support. Dorénavant, on filme tout par le dessus. Il me semble que les vidéos soient de meilleure qualité et du coup donc plus visible pour vous qui êtes de l'autre côté. Donc bref, parenthèse fermée, le test de l'écran.
Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on va se mettre bien cadré. Voilà, comme ça. Et on attaque sur donc le blanc. Eh bien, écoutez, c'est là où on voit tous les défauts. Et je vais m'approcher et je vais bouger l'écran, justement. Voilà. Et vous pouvez voir que aucune fuite de rétroéclairage, aucune tache, rien, c'est du grand, grand écran. Très honnêtement, c'est très bien choisi de la part donc de Ligoo pour cet écran qui vient de la Japan Display, de la compagnie Japan Display, pardon, appelle, hein, 5 pouces et en Full HD, donc en 1080p. Et des deux côtés, dalle de verre, je le rappelle, en Gorilla Glass 3. Donc du vrai haut de gamme côté écran. Donc le noir, vous pouvez vraiment le regarder. C'est un noir profond de chez Profond. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc au niveau des petits pixels, zéro défaut. Le rouge. Alors, si vous vous mettez bien en face, voilà, je vais me mettre bien en face de cette façon. Vous voyez que le rouge est vraiment pétant. Bon, là ici, le souci, c'est que on a les projecteurs de chaque côté, de l'autre côté, à droite et à gauche. Et du coup, vous avez l'impression qu'en fait, l'écran est légèrement sombre. Or, si je le redresse et que je me mets bien, bien face à la caméra, eh bien, vous voyez que le rouge est bien pétant et il est aussi pétant pour les yeux. Le vert, idem. Bleu, hein. Toujours la même chose. Bref, on va aller sur les niveaux de gris. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir que très très honnêtement, c'est du vraiment zéro défaut. Vous voyez que la luminosité est vraiment parfaite sur cet écran. Et les niveaux sont correctement détaillés, y compris le jaune et le vert, le rose clair et le mauve, rose plus foncé. Bref, c'est du sans faute du côté de l'écran. On va continuer avec notre outil AnTuTu désormais, hein, tout le monde le désire, même si on connaît toujours à peu près les scores, bien que sur les derniers 67-53 que nous avons testé, parce qu'il y a d'autres vidéos à faire, mais celle-là, on nous l'a demandé en urgence un petit peu. Donc, au niveau du test du 6753 Mediatek à 1,3 Go 3, on a des scores qui varient autour des 3000 points. Voilà, il y a une variance de 3000 environ d'un smartphone à l'autre. Donc, tout de suite, on va regarder le Elite 1 et son score que AnTuTu nous a sorti. Elite 1, voilà. Et l'historique. Donc, je ne sais pas. Je vais me rapprocher. On va arrêter de zoomer et dézoomer. Donc, 33 000, pardon, 800 points. Donc, près de 34 000, bien entendu, avec un score en multitâche de 4200 points. Donc, il est clair que 6753 n'est pas dans le top 10 des smartphones. D'ailleurs, voilà, historique, mais à chaque fois, il nous perd le rang. Bon, bien entendu, 33 000, on est tout en bas ici, hein, derrière le Galaxy Note 4, bien derrière d'ailleurs. Mais effectivement, on est loin des Galaxy S6 ou des Note 5 qui sont à 70 000 points. Bref, le but n'est pas d'être premier, mais d'être performant. Et le 6753 l'est. En termes d'infos, là, je vais zoomer un peu parce que sinon, ça fait tenir le téléphone pendant un bon moment en l'air. Donc, en termes d'infos, concordance avec les informations fournies par Ligoo. Donc, on a bien le Elite 1 en 5. 1 pour l'OS, donc on est bien avec le 6753 avec un Mali T720 bien entendu qui est associé toujours avec 6753
et le 6735, un écran Full HD en 1080p, on est bien d'accord, une caméra arrière, donc de 16 mégapixels. Au niveau du stockage de la RAM, donc 3 gigas. Au niveau du stockage système et stockage interne, c'est une seule partition, 32 gigas, moins effectivement tout ce qui est OS et autres, donc on est à 26 gigas de disponible. Ce qui laisse une marge plutôt intéressante pour y stocker de la musique et tout ce que vous voulez. Donc on nous rappelle que c'est bien le CPU 6753 à 1,3 giga. Le Mali-T 720 en Full HD, et étant donné qu'on a un écran 5 pouces, on est à densité de pixels de 480. Donc très honnêtement, rien à redire de ce côté-là. Caméra frontale de 13. Et vous verrez, lorsqu'on testera la caméra frontale, elle est intéressante parce qu'il y a un petit plus par rapport à ses concurrents. Et je ne sais pas si les concurrents directs qui sont prévus, tels que le Bluebu X-Touch, a prévu ce petit plus que... il faudrait que je vérifie d'ailleurs pour ce Bluebu. Mais voilà, le Ligou a un petit plus qui est fortement intéressant. Donc, niveau de la batterie, on est à 33, température 25, batterie qui chauffe très honnêtement très peu, même quand on fait beaucoup de gros jeux. Donc, accéléromètre, capteur de luminosité, capteur de proximité, tout ceci sont des MediaTek directement installés sur... On sort de l'application, donc sur ce Ligou Elite 1. Pour le test du GPU, tout de suite. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le laisser tourner, comme d'habitude, et puis on va se mettre en accéléré, comme ça, vous allez voir en temps réel, quasiment, les résultats. Au niveau des frames par seconde sorti par donc le GPU Bench. À tout de suite. Voilà donc les résultats avec donc un score de 16 656 et au niveau des frames par seconde, nous sommes à 98, donc presque 99 frames par seconde au niveau le plus haut avec une moyenne de 57. Ce qui veut bien dire que pour jouer, il n'y aura pas de souci avec donc ce Ligou Elite 1 si vous voulez l'utiliser effectivement pour jouer, vous n'aurez pas de problème. Alors, ensuite, on va regarder les fréquences, mais bien entendu, rien de bien extraordinaire non plus de ce côté-là. Pardon. Donc, en SIM 1, que GSM. La SIM 2, je vous le rappelle, NT6753. Donc, la bande des 900 pour nous, en France, elle est dedans. En 4G, effectivement, on est en trace 7. Donc la 20, ils ont ajouté la 8. Au niveau des sensors installés et configurés sur ce Ligou Elite 1, excusez-moi, j'ai eu un blanc, je me grattais l'oreille. Bref, donc au niveau de la caméra principale. Donc je pense que vous voyez correctement. Au niveau des formats supportés, lorsque l'on est donc à 16 mégapixels, vous avez une image de 5300 par 3000. Donc ce qui vous fait une image plutôt de très belle qualité. On testera ça après. Ensuite, la caméra avant. Donc de la même façon à 13 mégapixels, on est à 4800 par 2700. Au niveau donc bien entendu le plus haut. Ensuite, donc GSM blablabla, donc l'accéléromètre. Ok. Il n'y a pas de souci, il fonctionne parfaitement. Au niveau compas,
Il n'y en a pas. Au niveau donc radio, pas de radio. Au niveau de l'écran, donc on l'a déjà fait, hein, on l'a testé. Batterie, CPU, donc de la même façon, hein, c'est toujours bien sûr pas de problème. Hein, 8 cœurs, 1 giga 3. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas menti. Donc il n'y a pas de souci non plus côté vibration. Il est bien installé. La lumière. Donc vous le voyez. Voilà, je vais me mettre devant. Ok. Voilà, on voit qu'il fonctionne parfaitement. Le capteur de proximité. Zéro. Voilà. Pas de souci donc non plus de ce côté-là. Pour le reste, plus rien d'autre. Le flash, bon, on peut le tester. Il est très honnêtement puissant. C'est un double LED, donc pas de souci. Il est très éclairant. Il éblouit bien les yeux, donc il n'y a pas de non plus de souci. Et au niveau du CPU-Z, vous allez le voir, bloom. Donc on voit bien les 8 cœurs. Et par défaut, voilà, il tourne à 300 MHz, donc au repos. Dès que vous allez le demander, bah, il va grimper. Et plus il y aura besoin donc de puissance, plus les cœurs vont se mettre en fonctionnement et vous serez quasiment les 8 à 1 giga 3. Donc voilà pour le CPU-Z qui montre le travail du processeur. Donc voilà au niveau du test déjà global de toutes ces fonctionnalités. On va regarder maintenant donc tout ce qui est appareil photo, jeu, qualité d'écran avec une vidéo. Donc ben, on attaque la deuxième moitié des tests du Ligoo Elite 1. Je perds un peu mes mots. Donc on va regarder tout de suite. Deuxième moitié des tests, une vidéo. Une vidéo, je l'avais ce matin. Bref, donc c'est pas grave, on va rechercher. Voilà. Et on va donc se mettre une vidéo. Les clouilles, celui-là, pardon, cette vidéo est bien agréable parce que c'est la nature et on voit bien les couleurs. Je coupe le son. Je zoome pour vous montrer. Effectivement, la qualité de l'écran. On va cadrer tout ça. Voilà, je vous laisse apprécier. C'est peut-être meilleur comme ça encore. Voilà. Vous voyez que les couleurs sont magnifiques. Donc, c'est un écran Full HD, on le rappelle. Mais très honnêtement, de très 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 bonne qualité. Parce qu'on a des écrans Full HD bon, chez certains constructeurs, où vous avez des fuites de rétroéclairage qui laissent des halos même sur les vidéos, voire pour certains malheureusement des fois des tâches qui viennent de je ne sais où, peut-être lors du montage avec une mauvaise manipulation, c'est fort probable. Mais celui-ci, c'est du zéro défaut. Et sincèrement, ça se voit à l'écran. Voilà. Donc voilà pour les vidéos. On va regarder maintenant, on regarde et écouter le son. Et là, pareil, moi j'ai été aussi impressionné. Donc on va regarder nos artistes que l'on suit, parce qu'on n'en suit pas qu'un. Est un son puissant et d'excellente qualité.
si vous le tenez en main. Un écran 5 pouces, vous n'avez pas besoin de le tenir souvent par le dessous puisque justement il est assez compact. Donc c'est vrai qu'une main suffit généralement. Et donc du coup le son n'est pas du tout étouffé. Donc vous entendez bien que le son ne sort que d'un côté, hein, ici. Voilà. Autre chose, rapidement. Toc. Un tactile très performant aussi, qui répond au doigt et presque à l'œil. Non, très 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 bien, pas trop sensible, mais c'est pas un écran de bourrin, il faut vraiment taper dessus pour que ça puisse comprendre ce que vous demandez au niveau des actions. Non, c'est vraiment un très très bon écran. Voilà pour le test du son sur ce Ligoo Elite 1. On va tester rapidement la caméra avec un test dans la pénombre parce qu'il commence à faire sombre. On a les éclairages donc des projecteurs. Que donne cet appareil photo sur le Ligoo Elite 1? Je vous rappelle en fait que dans la review précédente, pour la vidéo d'unboxing, on avait paramétré donc ce petit bouton magique intégré donc sur ce smartphone pour l'appareil photo. Donc je vous montre comment cela fonctionne. Vous laissez votre doigt appuyer donc sur ce bouton magique, mais là il ne peut fonctionner puisque nous sommes loqués. Donc nous allons déloquer grâce à notre empreinte le smartphone. Voilà, donc on laisse appuyer et voici donc que la caméra s'ouvre. Alors on va prendre une photo de notre petit nounours. Voilà, il est rapide. Et on va se mettre donc dans le noir et vous montrer donc la suite. Donc on a éteint les lumières et comme ça vous le verrez bien, voilà, il y a un flash à l'avant, ce qui est clairement un très très bon point de la part de Ligoo. Et vous voyez que la caméra avant est franchement tout aussi bien que donc la caméra arrière, une 13 à l'avant, une 16 à l'arrière, ça fait le boulot. Et très honnêtement, là ils ont intégré que du bon, donc ça fait très très plaisir de la part de cette marque d'avoir fait ces efforts en termes de finition, d'intégration matérielle, logiciel, tout, la totale, tout est pour ma part parfait. Pardon, le temps de rallumer les lumières et
on continue. Donc, c'est le moment du verdict sur les jeux vidéo, parce que vu la qualité du processeur, les performances en termes de graphisme et la qualité de l'écran principalement, c'est le moment donc de voir les jeux vidéo avec notre test donc de Need for Speed No Limit. Donc la nouveauté du moment sur le store Google, et vous montrer donc les performances graphiques. Un petit coup de lingette tout de même. Donc, il y a à savoir qu'il y a donc des films de protection de l'écran, et ces films prennent facilement les empreintes digitales. Donc, je ne défais pas les films. L'acheteur pourra donc le notre acheteur principal qui a fait signe de suite, donc Guillaume. Moi, je préconise de laisser les films de toute manière, même si c'est du Gorilla Glass 3. Ça permet quand même de protéger les écrans, même si effectivement ces protections, ces films marquent très très facilement les doigts. Alors on a peut-être j'ai peut-être un peu les doigts gras, bref, mais bon. Donc, Need for Speed. Donc voilà, on a customisé notre voiture. Et on va donc faire la course contre la montre. Et vous voyez déjà donc à l'écran hein, ici la qualité donc visuelle de cet écran, la luminosité, la qualité des couleurs. Très très sincèrement, ça vaut largement ce qu'on peut voir chez des fabricants beaucoup 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 plus cher, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on va y aller. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Victoire. Bon, ben voilà. Donc vous avez pu voir la qualité avec un jeu vidéo. Ce jeu est très très gourmand. Vous avez vu que ça défile sans aucun lag. Et c'est le Mali T720 donc qui est installé sur ce smartphone. Donc en clair, hein, pas grand-chose à redire de son intégration avec donc le MT6753. Il n'y a pas grand chose à redire de ce côté-là, c'est un sans faute, et je n'ai pas peur de le dire, parce que ce smartphone étant un sans faute, étant ce qu'il est, il va être donc intégré dans la boutique Sinophonix.fr, et on va le mettre en vente, parce que très très honnêtement, là c'est du bon, du très très bon. Donc voilà les jeux, vous avez vu les vidéos, vous avez vu les photos, donc et entendu le son. Donc pour ce qui est du GPS, on l'a testé très rapidement, c'est toujours un sans faute. De toute manière, comme on l'a déjà dit, on passe maintenant sur le test du GPS, puisque avec ces nouvelles puces fournies par Mediatek, aucune marque fait commet de faute. En tout cas, sur la lecture et comment dire, de loquer les GPS. Certains sont peut-être un peu plus lents. Très honnêtement, on l'a testé, je ne l'ai pas mis en vidéo, mais il est rapide et très efficace. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Chose à voir encore sur ce Ligoo Elite 1, il est annoncé comme étant ETG. On va vérifier ça et surtout vous annoncer son poids, parce que son poids, il est très contenu. Alors, premier point, on va vérifier donc avec le câble, un de nos câbles OTG, savoir s'il est bien OTG comme annoncé par Ligoo. Et vous voyez que il l'est. Pas de souci de ce côté-là. Ok, donc ça c'est fait. Il est bien OTG.
Donc vous pourrez lire vos cartes externes, y brancher ce que vous voulez. Bref, voilà. Donc on ramène notre petite balance professionnelle. Donc on est bien à 0, 139 grammes. Donc poids très contenu. Pour un 5 pouces, donc fait de métal. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est bluffant sur ce Ligoulite 1, c'est sa finition, y compris donc des vrais boutons métal avec un toucher très très agréable. Donc voilà pour ce test donc OTG et son poids donc qui reste un poids très contenu. On continue pour la suite. J'espère que Guillaume, tu es satisfait de la vidéo. On espère que cette vidéo donc vous a plu pour ce Ligoo Elite 1. Et puis bah, écoutez, si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce vert, un commentaire, bah, nous dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez des choses supplémentaires sur d'autres tests à venir, le prochain test sera sur le VK700 Pro, qui en termes de finition lui aussi nous a bien bluffé et vous verrez pourquoi, surtout venant d'une toute jeune marque comme VK World. Donc voilà, on va clôturer sur ce Ligoo Elite 1. On vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne fin de journée pour d'autres. En tout cas, portez-vous bien, à plus et à bientôt.